Hey yo les gens, c'est Dartnex, j'espère que vous allez bien, moi ça va tranquille. Aujourd'hui on se retrouve devant un petit gameplay commenté en différé sur Counter-Strike Global Offensive. C'est une partie sur Dust 2, une de mes parties quand j'ai commencé à rejouer au jeu justement. Donc le shoot est un petit peu aléatoire on va dire, mais petit à petit c'est revenu. Je vais vous en parler juste après justement. Ça faisait longtemps que je vous avais pas proposé de vidéo sur le jeu, pour la simple et bonne raison que j'ai fait une grosse pause. Le jeu m'avait pris pas mal la tête il y a un petit moment, et du coup j'ai bien été un mois et demi sans y jouer du tout. Je faisais quand même une ou deux games de temps en temps pour éviter d'être des ranks, tout simplement. J'étais à Calorier, MG2, du coup je faisais ça de temps en temps, mais c'est vrai qu'il y a un gros moment où j'y ai plus joué du tout, et j'ai été des ranks justement, donc j'avais plus de grade. Et là, il y a quelques jours, 3 ou 4 à peu près, je me suis dit pourquoi pas y retourner. J'étais avec un pote IRL et on a joué ensemble et ça s'est plutôt bien passé. Du coup j'ai été re-rank MG2 comme j'ai été avant d'être des ranks. Et récemment je suis passé double AK, donc c'est plutôt cool. J'ai fait 8 games depuis que j'ai repris le jeu et j'en ai gagné 6, donc ça se passe plutôt bien comme je l'ai dit. Donc voilà, faut savoir que quand vous commencez à rentrer dans le côté compétitif du jeu, le jeu commence forcément à vous prendre la tête, dans le sens où vous ragez beaucoup, vous en voulez beaucoup quand vous faites de la merde aussi. Et surtout si vous jouez avec des potes, c'est prise de tête obligée, c'est obligatoire. Donc voilà pourquoi j'avais arrêté tout simplement. Du coup quand je suis revenu sur le jeu, j'ai pris du plaisir à y jouer, comme à l'époque où quand j'avais commencé vraiment à y jouer, je kiffais ça à mort. Là c'est le cas en ce moment, mais je suis vraiment revenu sur le jeu en me disant je vais pas recommencer comme avant, je vais pas me prendre la tête. Et c'est ce que je suis en ce moment, je joue tranquille avec un pote et ça se passe super bien. Donc dites-moi dans les commentaires si vous voulez d'autres vidéos sur CSGO, mais pas des vidéos comme celle-ci. Je vous ferai bien entendu des livecom, des condensés, etc., etc., comme je faisais un petit peu avant. Dites-moi si ça vous intéresse, je sais que pas mal de gens aiment bien quand je fais du CSGO, en tout cas quand j'en ai fait il y a un mois ou deux, vous avez bien kiffé en tout cas. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous dit. En attendant Black Ops 3, on s'occupe comme on peut, même si j'attends d'autres jeux avant Black Ops 3. Je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo de ça, mais voilà. Il y a eu une grosse mise à jour sur CSGO et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai recommencé le jeu. Enfin, c'est ça qui m'a donné envie de retourner sur le jeu avant toute chose. Ils ont changé la hitbox des personnages. Avant, la hitbox était un petit peu rectangulaire au niveau des formes du personnage, et maintenant c'est carrément arrondi. Ce qui veut dire que quand vous tirez par exemple autour de la tête d'un personnage, la zone va plus vraiment être rectangulaire, c'est-à-dire que ça va plus vraiment être carré autour de sa tête, ça va vraiment être arrondi vraiment tout autour de sa tête, et du coup la hitbox est beaucoup plus poussé on va dire, et du coup faut être beaucoup plus précis pour toucher les mecs tout simplement. Donc ça c'est un gros changement, c'est quelque chose qui a fait qui m'a fait bizarre au début franchement, puisque j'ai recommencé au jeu quand la mise à jour s'est faite. J'ai vraiment peiné au début à choper les têtes comme je pouvais le faire à l'époque. Là dans la vidéo j'ai un shoot un peu aléatoire, hein, comme je l'ai dit, c'était le retour on va dire, et c'est vrai que c'était pas évident certaines fois, notamment quand il y a un mec dos à moi, des fois je mets tellement de balles avant de le tuer, il pourrait limite se retourner et me mettre un turn le mec, mais du coup ça se passe plutôt bien encore une fois je leur dis. Donc dans cette partie là j'étais encore MG2, j'étais encore à Calorier, donc pour moi de Silver à Sheriff on va dire, les grades veulent rien dire, dans le sens où il y a des mecs qui sont PL de ouf, il y a des mecs qui sont nuls à chier alors qu'ils sont plus haut gradé que toi, et inversement. Donc c'est vrai que des fois les parties sont vraiment super aléatoires au niveau des gens, mais là en double AK je commence à ressentir une certaine un certain équilibrage je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires pour ceux qui pensent à peu près comme moi, mais moi c'est mon ressenti en tout cas. Il y a eu aussi la M4 silencieuse qui a changé, je la déteste maintenant, elle a une cadence un petit peu moins élevée qu'à l'époque et elle fait moins de dégâts au corps à corps je crois, donc j'ai remis la M4 normale et je m'en sors beaucoup mieux avec. Sinon à part ça, il y a aussi les petits glitch entre guillemets, les petits bugs. Quand vous étiez derrière une porte, il y avait vos armes qui dépassaient de la porte des fois. Ça c'est des genres de petits glitch classiques dans des FPS. C'est des petits bugs de développement, c'est les mecs qui font ça un petit peu comme des cochons on va dire. Ça a été arrangé dans le jeu maintenant. Donc c'est plutôt cool, on se tape plus de bullshit avec ce genre de choses. Là vous voyez le mec, je lui tire dans le dos mais il meurt pas au début. J'ai pas mal galéré à le tuer. C'est le genre de truc à l'époque que je loupais pas du tout, même si j'ai réussi à le tuer quand même, heureusement. Mais enfin voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi si ça vous intéresse, comme je l'ai dit, d'autres vidéos sur CSGO en attendant Black Ops 3 et même après Black Ops 3. Si de temps en temps ça vous dit de voir du CSGO, je vous en ferai avec plaisir. Puis voilà, n'hésitez pas à lâcher un max de likes. C'était Dartnex, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à plus tout le monde, salut!